Salut tout le monde, c'est Quarim de Revue Multimédia. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du prochain Hitman. Plus précisément, je vais jouer à la bêta aujourd'hui. Donc, c'est édité par Square Enix et développé par IO Interactive. C'est un jeu d'action-aventure, c'est un jeu d'infiltration et en gros, c'est un jeu de tueur à gages. C'est prévu chez nous le 11 mars 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Par contre, c'est au format épisodique. Voilà, c'est le mal qui blesse quoi pour un jeu triple A. Je trouve ça dommage qu'ils sortent ça en format épisodique. J'aurais préféré qu'ils sortent une belle petite boîte. De toute façon, à la fin des épisodes, je pense qu'ils vont nous sortir une petite boîte toute belle. Donc, je trouve ça dommage. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc là, on va découvrir ensemble la bêta de Hitman. C'est parti, je vais lancer le jeu. Un petit chargement. Donc en attendant que ça se lance, Hitman, c'est une série de jeux d'infiltration, comme je vous ai dit, et ça met en scène un tueur à gages qu'on surnomme l'agent 47. Donc le tout premier Hitman, qui s'appelle Hitman, qu'est-ce que je dis pas de bêtises, s'appelle Hitman tueur à gages, c'est sorti sur PC en 2000, et j'ai eu la chance de le découvrir à sa sortie. Et pour moi, ça a été une grosse surprise, mais pour beaucoup d'autres gens aussi. Et c'était du jamais vu, c'était la première fois qu'on jouait un tueur à gages, et ça changeait des autres jeux. C'était un truc de fou quand même. Du coup, le jeu, il a eu du succès. Et qui dit succès, dit portage sur les consoles aussi. Donc il y a eu Hitman 2, Hitman Contra, Hitman Blood Money et Hitman Absolution. C'est sorti sur toutes les consoles possibles de l'époque. PS2, Xbox, GameCube et ensuite sur PS3 et Xbox 360. Il y a aussi deux adaptations au cinéma, si je dis. Ouais, c'est ça, deux adaptations. J'avais vu la première adaptation au cinéma qui est sortie en 2007. Ça va, j'avais bien aimé, même si je trouvais que l'acteur qui jouait l'agent 47, il avait un peu trop une tête de gentil. Ensuite, le deuxième film qui est sorti en 2015, je l'ai pas vu, donc je peux rien dire dessus. Donc, on va lancer la bêta. Donc, faut aller par où? C'est quoi ça? Story. Je pense qu'on doit faire. Ah, voilà, tutoriel. Donc, je lance. On va voir si ça vaut le coup de d'investir dans ce Hitman. Donc, on fait comment? On play, voilà. Ah bah donc, il n'y a pas de cinématique ça. Il commence directement, j'aurais bien aimé qu'il nous pose un peu les. Oh là là. Ah bah il a une bonne petite tête. Là, ça se voit qu'il a la tête du méchant. Donc je vais un peu me familiariser avec les touches. Donc là c'est bon. Courir, on maintient L1. Voilà. En tout cas, ça va, c'est pas trop moche. Hein. Je trouve ça beau. Hein. Ça va, ça va. Donc on va continuer. J'ai eu peur qu'il y avait un chargement en même temps. Enfin, si, il y a le chargement avant. Ils auraient pu le camoufler le chargement, c'est pas grave. I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Ah, c'est pas sous-titré, donc je comprends rien. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. Dis donc, ça lag. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. On va pas dire que c'est sublime, ça tient la route sans en faire trop quoi. Ça suffit largement. Bon, c'est quand qu'on joue là. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here.
I choose him. May I inquire why? A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but perhaps I see possibility where others see limitation. J'aurais dû vérifier si dans les options il n'y a pas les sous-titres parce que là, c'est un peu tendu quand même. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing. If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without... Non, en fait, c'est moche. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are... J'espère que le haut là-bas, c'est pas le ciel, hein, parce que j'ai l'impression que c'est... Ah, c'est bon, on commence. Là, je vais aller vérifier s'il n'y a pas des sous-titres, déjà. Non. Hop, sub-tier. Ouais, mais oui, punaise. J'espère qu'ils sont en français aussi. Voilà, bref, on continue. Je suppose que je dois infiltrer le bateau. Sans me faire repérer, donc je vais aller tranquillement. Infiltre. Ok. Mais du coup, je pense pas qu'ils vont me laisser rentrer, donc on va passer par là. J'aurais pu l'interroger, mais je l'ai assommé direct. Allez, maintenant, on va aller prendre ses vêtements. Voilà, super, il s'habille en 2 secondes, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, je pense qu'ils vont me laisser rentrer. Mon Dieu. Lève-toi. Voilà, merci. Ah, appuie sur R1, je pense que c'est pour avoir où un autre objectif. Bah là, il est là-bas. Le monsieur en rouge là-bas. Je vais aller tranquillement. Attends, non, pas par là. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je le tue quand même. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Et paf ce que je viens de faire. Ah là là. Ok, on repart, c'est reparti. Pour la 3e fois. Après franchement, ils auraient pu mettre la bêta en français. D'ailleurs, faut qu'on s'amuse à traduire à chaque fois. Déjà que le jeu, voilà quoi, vous le sortez en format épisodique. Et là, je vais me baisser déjà. Hop là. Cette fois, je vais pas te tuer. Voilà. Tranquille. Merci. Je prends tes affaires. Non. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Tes affaires. Ok, je l'ai tué. Mais c'est pas grave. Du coup, bah, je vais quand même prendre le corps. Je vais le cacher. Hein, pour où j'en suis. Hein. Je vais le mettre là, tiens. Voilà, je rentre à la toilette comme tout à l'heure, j'ai fait la même erreur. Du coup... Faut aller par où là? Ah, par là.
J'ai regardé où mon objectif. Il est là. Je sais absolument pas comment l'appréhender. Voilà. D'un côté, tant mieux. Au moins, c'est pas dirigiste. Voilà, c'était bien les décors en fait. Je pensais que c'était le ciel, mais en fait, tant mieux. Donc, du coup, je sais absolument pas qu'est-ce qu'ils font sur un bateau dans un studio. C'est pas grave. Donc, je perds pas mon objectif de vue. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Ah, mais merde! J'aurais dû assommer le policier, il faut que je retourne en bas. J'espère qu'il est encore en bas. Ah, il est là, t'es là, bien chaud. À toi, je vais t'assommer, faut pas qu'il me voit l'autre. Mais il m'a vu, punaise. Mais toi, je vais te tuer. Maintenant. Je vais les cacher là-dedans. Comment on fait? Voilà. Allez, viens. T'es pas comme voir. Tu vas faire un sommeil. Voilà. De 1. Maintenant, vite avant qu'il y en a qui vient. Toi. Après, je ramasserai l'arme là-bas. Parce que je vois qu'il y a une arme. Allez, allez, allez. Ouais, vous allez dormir ensemble. Du coup, je vais prendre ton costume. Parfait. Voilà. Commence à retrouver les habitudes là. Du coup, je ramasse mon arme. Enfin, son arme plutôt. Et maintenant, je peux m'approcher de ma cible. Sans qu'il y ait quoi que ce soit comme doute. Du coup, je voudrais bien ranger mon arme en fait. C'est un peu con, c'est un peu tricard là. Allez, mais non, range ton arme. Mais mon dieu. C'est quoi que j'ai dans la main? Je sais pas comment on fait pour ranger l'arme. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Mais c'est con d'avoir. Mais qu'est-ce que je... Pourquoi je garde? Mais non, peut-être. Comment on fait pour changer les armes? Oh, merde. Non, 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 j'ai pas voulu faire. Voilà, putain, mais franchement. Je fais n'importe quoi. Comment on fait pour. Voilà. Du coup, j'espère qu'il m'a pas capté. Ah, c'est mort, ils m'ont capté, putain. Allez, je recommence la mission parce que franchement, là, je fais n'importe quoi. Allez hop, on refait la même chose. J'ai l'impression que c'est un die and retry. C'est un peu ça en fait. Voilà, c'est reparti. Toi, fais dodo. Donne-moi tes habits. Maintenant. Tu vas dormir dans les toilettes. Voilà. Donc là, voilà. Premier déguisement, on doit se déguiser en agent, on va dire appeler ça, agent de maintenance, on va les appeler. Ensuite, il faut se déguiser en policier et ensuite en marin. Voilà, donc là, comme tout à l'heure. Non, non, cours pas, gros. Voilà. Je crois qu'il m'a capté, là, putain. Actually, hope you do come near me again, because it'll give me an excuse to kick your scrawny ass. Non, c'est bon. Si, voilà, ça me repart à son poste.
toi, tu vas finir au placard comme d'hab. Non, y a qui m'a vu? Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a personne d'habitude. Mais non, mais c'est n'importe quoi, j'ai pas laissé mon déguisement par terre. Bah tant pis, je laisse tout là. Comme ça, j'ai pas d'armes sur moi et ça fera moins suspect. Donc là, je vais attendre qu'il part. C'est bon. Où est ma cible? Elle est là-bas. Donc je vais me mettre là avant qu'il fasse demi-tour. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Such an eye for detail. Colors, the fabric. Tendu tout ça. Donc il se doute de rien. Là je vais arriver là, il y a un script qui va se déclencher, il va se barrer. Merde, t'as pas qu'il m'arrête, il me rate pas. Voilà, il se barre et du coup il faut que je me déguise en marin. Mais le problème c'est que je sais pas il est où. Faut que je trouve un marin isolé. Où je peux lui voler ses vêtements. Quoi. Non non non, c'est bon, arrêtez vos conneries. C'est parfait, il est là. Je vais attendre que la porte elle se ferme. Voilà. Voilà, par contre toi, je vais te cacher où toi. OK. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs. Maintenant, je peux aller dans la partie privée. Very unorthodox. I like it. Il y a la porte là, je peux te cacher où toi? Ah, je vais te cacher dans le congélateur. Dans le... J'espère qu'on peut le cacher dans le congélateur là. Oh, c'est parfait tout ça. Allez, c'est une petite somme. Est-ce que je prends un marteau? Ouais, mais j'espère juste qu'on. Mais c'est con, je vais pas me trimballer avec un marteau. C'est quoi dans la main? Bon, on va dire que c'est son porte-bonheur, allez. Donc normalement là je peux monter à l'étage et aller tuer ma cible tranquillement, normalement. Donc du coup, par où il est monté lui? Par là. Et du coup, personne ne me suspecte, hein, autant je suis là. Parfait. Où est mon ami? Où es-tu? Du coup, je pense que là, il faut que j'évite le regard des marins, comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, je sais pas le tien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rentre pas là-dedans. Il est où lui? Ah, il est là-bas, d'accord. Sorry, sailor. Not a man of simple taste. Sail away. Sail away. Saw this painting, an original Gorka. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant private library. Look, you don't have to retire just because you leave the field. Most great players simply become managers. You're recruiting. Now you're catching on. This sparrow cannot die. Okay, je pense qu'on va devoir l'empoisonner. Mr. Norfolk,
So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall I? Yes, please. Lead the way. Non, alors ça a entendu. Du coup. Oh, elle est sûre. Ah, c'est un point américain qui va dans la main, d'accord. Ouais, t'inquiète, je passe. Ouais. Scene technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor. Un bon petit coup de silencieux. Magnifique, maintenant je me barre. Pas réparer d'eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il faut que je me barre. Je veux pas sauter par. Mais. Putain, c'est trop limité tout ça. Ouais. En fait, je pensais qu'il fallait, fallait passer par là. Ouais bah oui, t'as l'intelligence artificielle, elle est éclatée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'accepte pas, non, je recommence. La missile doit être parfaite celle-là. Ça va, en tout cas on se prend vite au jeu quoi. C'est pas exceptionnel mais voilà quoi, c'est du Hitman. C'est du Hitman tout craché quoi, y'a pas de surprise. Hein. Donc là, ton déguisement. Hop là, je vais te cacher dans les toilettes. Caméra. Si, ça change déjà du jeu en fait. C'est bien de retrouver l'agent 47, mais j'aurais bien aimé qu'il le sorte en boîte quoi. C'est un jeu triple A ça sort en boîte normalement ça. Ça vaut pas un format épisodique. C'est pas grave, de toute façon moi j'attendrai la version boîte donc. De moment tu m'as pas vu, merci. Voilà. Maintenant, on se met en policier. Ok, je l'ai attrapé par son caleçon, là, mais n'importe quoi. Voilà, du coup, il est où l'autre? Ah putain, il arrive. On va attendre qu'il finisse... qu'il parte de là. C'est dans les... De toute façon, dans les Hitman,
Comment dire ça? L'objectif numéro un, c'est vraiment de faire la mission sans se faire repérer, puis en tuant personne, quoi. Sauf notre cible, bien sûr. Donc du coup là, faut que je fasse tout le tour pour aller déclencher le script afin que Monsieur Calvin Ryder décide de monter dans la zone privée. Donc du coup, je vais repasser par là. Toi, tu m'as déjà vu. Là, je vais éviter le regard de mon collègue policier. Là, il doute de rien. Voilà, c'est bon, là, je vais faire. Voilà, je vais mettre là, puis je vais regarder là. Mais faut pas qu'ils me... Arrête, mais faut qu'ils arrêtent de me regarder là. Donc du coup, maintenant qu'il est parti, notre ami Carvin, je vais aller dans la cuisine et prendre les vêtements du marin. Donc si j'ai pas de bêtises, la cuisine elle était où? Elle est là. Parfait. Putain, je vois quelque chose qui se déplace sur le radar. J'espère qu'il y a pas les... Non, c'est bon, c'est juste des gens qui... Hop là, déguisé en marin. Toi, on va te cacher dans le congèle. Voilà, ni vu ni connu. Pas besoin de marteau, hein. Je vais la faire à la barbare. On va la faire propre. C'est par où que je dois remonter? Oh bah, je vais monter par là. Ouais, bref, tout à l'heure, ça fait 8 fois que tu me reconnais pas, puis d'un coup tu me reconnais là. Voilà. Là, on va faire la fouine. Allez. Parfait. Du coup, il y a son ami qui va venir lui parler, je sais pas, il est où. Où es-tu? Voilà. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Allez, va-t'en. Voilà, donc j'arrête. Du coup. Faut que je passe par là. Voilà, je vais les suivre à distance. Je vais mettre là. Magnifique. Oh là là. Toi,
On va te cacher. Voilà. Quand on l'a fait bien, tout se passe bien. Bon, après, il y a la tâche de sang, c'est pas grave. Maintenant, on va prendre ton beau petit déguisement là. Et on va sortir. Ni. Attends, faut pas que j'ai l'arme sur moi, mais qu'est-ce qu'il nous fait le ciel? Voilà, flèche du haut pour ranger son arme. Du coup, là, je vais partir ni oui ni connu. Par contre, est-ce qu'il y a la police là? Ah ouais, merde. Voilà ce que j'appelle une mission propre de A à Z. Personne ne s'est douté de rien du tout. Voilà. Enfin, punaise. 8000 tentatives pour réussir cette mission. Mais en tout cas, c'était. Oh, j'ai kiffé. Hein. C'était rigolo. Ça fait du bien de rejouer à Hitman. Waouh. Désolé pour cette pitoyable. Pitoyable séquence de gameplay que je vous ai offert là. Ben, vous voyez bien, à la fin, je vous ai fait une mission propre de A à Z. J'ai voulu vous la faire bien de A à Z et je l'ai bien fait. J'espère qu'il y a une autre mission. Ça serait bien. Mais j'y crois pas, je pense que la bêta va se limiter à cette mission. Pour le scénario, faudra repasser à la sortie du jeu. Et quand ça sera en français, parce que là je comprends rien du tout. Welcome back, initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. C'est notre mission, c'est la même. Complete this exercise again. This time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Ok. Ah, donc du coup, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est fini. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, c'est possible. Ah, ouais. Ouais, moi j'ai choisi la façon. Ouais, il y a plusieurs façons d'appréhender la situation. Du coup, je pense que j'ai pris la situation la plus propre. J'aurais pu les assommer et tout, mais du coup, ouais. Destin, machin, ok. Qu'est-ce qu'il faut? Y'a plus rien, là? Ouais, bah du coup, voilà, c'était juste ça. Hein. Ils nous ont mis une mission. Enfin, le tutoriel. Donc, ouais, on arrive à la fin de cette vidéo découverte sur le prochain Hitman. Ce que j'en retiens, là, sur cet aperçu, déjà, on va commencer par graphiquement c'est pas, on va pas dire que c'est pas moche, mais c'est pas digne des consoles actuelles, quoi. C'est ça, sur PS3 j'accepte largement, mais là sur PS4, Xbox One et PC, non, j'accepte pas. Après, comme j'ai dit, c'est pas les graphismes qui me priment dans ce genre de jeu, c'est plus comme je vous dis, la liberté d'action. C'est-à-dire, voilà, on a une situation, on a un objectif, une cible à abattre, et voilà, à vous de vous débrouiller. Ça, c'est bien, ils vous disent pas ce qu'il faut faire et tout. Après, là, c'était à l'entraînement, ils nous ont dit, ouais, déguisez-vous en policier, déguisez-vous en agent de maintenant, déguisez-vous en marin. Après, c'est parce que c'est le training, ils nous apprennent les bases du jeu, mais voilà.
Après, ceux qui ont joué, qui ont déjà joué à Hitman dans leur vie, ils seront pas dépaysés. Je pense que voilà. Et sinon, ouais, si ça va quand même être un bon petit jeu, mais je pense pas que ça va être une bombe absolue après, comme ça a été le cas sur Hitman Absolution sur PS3 et Xbox 360 et puis PC, je dis pas de bêtises. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo découverte sur la bêta de Hitman. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires pour savoir si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Sinon, ben, laissez au moins un petit pouce bleu ou rouge. Voilà, donc je vous invite également à nous suivre sur Twitter et à liker notre page Facebook. Je pense avoir fait le tour. Et ben, je vous dis à la prochaine. Et ben, vive les jeux vidéo, quoi, tout simplement. Allez, salut tout le monde!